Bonjour, bienvenue sur le plateau TV des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Nous recevons aujourd'hui Cécile Martinez, chargée de développement culturel et de communication à l'INRAP. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, pouvez-vous nous rappeler ce que signifie INRAP ? Alors l'INRAP est l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, qui est un établissement public national qui dépend des ministères de la Culture et de la Recherche. Voilà, qui existe depuis 2001, c'est ça ? Absolument, qui a été créé suite à une loi sur l'archéologie préventive. Voilà, suite à des conventions internationales signées par un autre pays. Et donc votre but est de sauvegarder le patrimoine, c'est-à-dire le nom préventif dedans, l'adjectif préventif dedans. Donc vous, ce sont les fouilles préventives, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des travaux, vous regardez, vous faites d'abord des sondages, c'est ça, et après vous fouillez pour retrouver et préserver le patrimoine de notre pays. Alors, c'est une sauvegarde et une préservation au sens de la sauvegarde des données. Voilà. En effet, la loi sur l'archéologie préventive exige que l'on fasse des sondages dans les sols où il peut y avoir des vestiges archéologiques présumés. Ça, c'est une décision qui appartient à l'État via des services régionaux de l'archéologie qui sont abrités dans les DRAC. D'accord. Donc, l'État peut émettre une prescription et l'INRAP va effectuer dans un premier temps ce qu'on appelle un diagnostic archéologique qui s'effectue sous forme de sondage sur le terrain qui sera aménagé. Ensuite, en fonction des vestiges ou non qui ont pu être trouvés, de la qualité des vestiges, de leur état de préservation, des données scientifiques qu'ils peuvent apporter, l'État va pouvoir décider de prescrire une fouille archéologique. Voilà. Qui, elle, va être exhaustive par rapport à un sondage qui n'est que partiel. Voilà, mais la vocation de l'INRAP, c'est aussi de communiquer, et d'où la raison de votre présence ici. Absolument. Dans nos missions, nous avons celle de la diffusion de l'archéologie, diffusion au sens de parler de nos découvertes au quotidien et sur l'ensemble du territoire français, donc de faire partager au public, au plus grand nombre, ces données sur l'archéologie, mais aussi de promouvoir l'archéologie elle-même, la discipline. Et à cet effet, nous avons toute une politique de valorisation et de développement culturel qui s'exerce à travers divers biais. On a une production éditoriale notamment, de livres, mais aussi une production audiovisuelle. Pas seulement des catalogues, les livres, c'est aussi des livres grand public pour la jeunesse. Je parle ici en effet de livres d'ouvrages grand public, voilà. Y compris en effet de livres jeunesse. Nous nous appuyons bien sûr toujours sur nos collègues archéologues, donc c'est la richesse et l'intérêt de notre établissement. Que de pouvoir faire le lien entre les chercheurs et puis un public qui est vaste, large, avec ses spécificités, son âge, ses centres d'intérêt. Donc c'est une politique qui est menée et qui, j'insiste, fait bien partie de nos missions en tant qu'établissement public et service public de l'archéologie. C'est normal. Absolument. Oui, tout à fait. Et donc ici, vous êtes comme chez vous, finalement. Alors, comme chez nous, bon, il se trouve qu'en effet, on est présent depuis beaucoup d'années sur le terrain des fouilles préventives à Narbonne. Et j'ajouterais aussi qu'on connaît bien, moi-même et mes collègues, les rencontres et les personnes qui ont initié ces rencontres de la Narbonnaise à travers de multiples partenariats, puisque c'est un domaine dans lequel on est amené à se croiser souvent. Et là, il a été naturel pour l'INRAP de conclure un partenariat qui se renforce d'année en année et qui permet pour nous de nous appuyer sur ce festival, sur ces rencontres qui, je le constate, rassemblent de plus en plus d'intervenants d'importance. Et puis nous, on figure en effet parmi les acteurs qui sont invités et on est très heureux de participer à ces rencontres. Oui, c'est vrai qu'il y a un vivier donc de... Il y a un personnel, si vous voulez, à l'INRAP, qui est très actif et très compétent. Et puis aussi, vous bénéficiez de matériel de pointe. Donc à la fois pour les recherches, mais aussi pour la diffusion et j'aime pas trop ce mot de vulgarisation, mais c'est le cas en fait. C'est-à-dire vulgariser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire mettre à la disposition de tout le monde. Et donc là, vous avez des compétences techniques vraiment de pointe qui vous permettent de faire des vues en drone ou de faire de la reconstitution en 3D. Tout ça, vous êtes passé maître dans ça, non ? Alors en effet, je dirais que ce sont déjà des choses et des techniques qui sont expérimentées sur le terrain par mes collègues archéologues, voilà, c'est ça, oui. Par les chercheurs eux-mêmes. Et puis, je trouve
trouve qu'en effet, ce sont de formidables outils pour la valorisation, voilà, que l'on peut utiliser et qu'on va transformer lors de projets, qu'on va bien sûr adapter à chaque fois. Donc ça, ça fait partie de mon travail et puis de toutes les équipes qui s'occupent de valorisation. Et c'est un dialogue constant entre, ce qui est très important et dans notre établissement, un dialogue constant entre les archéologues et puis d'autres personnes dont c'est le métier de faire cette diffusion-là. Sachant aussi que mes collègues archéologues sont eux-mêmes aussi très impliqués dans la diffusion. Ils interviennent pour donner des conférences, des ateliers, pour écrire des livres. Donc, on a vu ça ici, hein, puisqu'il y a eu un bac à fouilles organisé par l'INRAP où les enfants ont pu s'exercer. Voilà, et ce sont les archéologues eux-mêmes qui font l'atelier et qui accueillent les enfants et leur expliquent ce qu'est l'archéologie à travers des outils pédagogiques qu'on développe au fur et à mesure. Un bac de fouilles, on a des ateliers sur la céramologie, on essaie de promouvoir l'archéologie à travers la manipulation et la participation des enfants, ce qui marche très bien. La céramologie, donc, c'est l'étude qui étudie c'est l'étude des terres cuites, c'est ça, hein, c'est les poteries, précise pour les personnes qui nous écoutent. En effet, c'est l'étude des poteries et nous avons à l'INRAP des céramologues dont c'est le métier précisément. Et la spécialité. Et l'INRAP donc, a développé tout un savoir-faire qui maintenant est exportable, c'est ça? On met à disposition une grande partie de nos ressources, notamment sur un site internet dont beaucoup de données sont accessibles gratuitement à toute personne sur inrap.fr. Puisque c'est cette politique-là de diffusion qui est favorisée, on a aussi une action un peu plus spécifique sur les publics scolaires dans le cadre d'une politique qui est ministérielle d'éducation artistique et culturelle. En tant qu'établissement du ministère de la Culture, nous engageons dans ce type d'action. C'est ce qui nous a donné l'occasion, par exemple ce matin, d'accueillir deux classes d'école de Narbonne. D'accord. De leur faire une petite projection spécifique de nos films documentaires destinés aux enfants, mais toujours en présence d'archéologues qui ont pu commenter, faire remplir des petits jeux pour avoir un dialogue avec les enfants et leur donner une petite idée de ce que peut être l'archéologie. Très bien. Quand je parlais d'exportage, je parlais aussi des autres pays européens. Vous avez des contacts avec d'autres pays qui peuvent avoir envie de vous contacter pour savoir un peu comment vous faites? Oui, il y a des conventions internationales et une mission internationale de l'INRAP. Et en effet, on peut intervenir sur de l'archéologie préventive à l'étranger. Mmh. Et ce type de collaboration consiste souvent à être présent sur les sites, mais aussi à former. Et puis à aider certains pays qui le souhaitent, ou villes ou services de ministères à l'étranger, à structurer une politique d'archéologie préventive. Donc on est dans ce sens-là, en effet, on a un rôle de transmission des savoirs, de l'organisation, avec des techniques en archéologie préventive qui sont innovantes et pour lesquelles l'INRAP est très bien positionné en France et dans le monde. Oui, voilà, parce qu'il y a beaucoup de... En Chine notamment, j'imagine qu'avec le développement industriel, vous intervenez aussi. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement en Chine, je sais plutôt, je pourrais vous citer par exemple le Cambodge, sur la construction d'un aéroport, où il y a eu depuis plusieurs années déjà un long partenariat sur faire des fouilles préventives en amont de la construction d'un aéroport. D'accord. Par exemple. D'accord. Puis, après, je crois aussi, il y a aussi le... L'INRAP intervient aussi pour dans les zones de guerre aussi, des choses comme ça, non? Pour la... Alors ça, c'est plus des discussions sur des aspects techniques, mais qui là, je pense, concerne l'ensemble de la communauté de l'archéologie. D'accord. Donc ça peut être des partenariats qui vont être menés avec des universitaires et le CNRS. Donc c'est pas une action propre, mais en effet, des événements récents font se questionner la communauté archéologique. Et l'INRAP fait partie de ce mouvement-là en mettant à disposition les compétences de certains de ses chercheurs. C'est vrai que l'archéologue n'est plus, c'est pas quelqu'un qui est dans son coin avec sa truelle et qui vit dans sa bulle, quoi. C'est vraiment, il fait partie intégrante du monde qui l'entoure, quoi. Oui, puisque le monde l'intéresse, hein, il cherche le monde du passé, mais il s'intéresse à des questions qui vont bien au-delà d'un bout de tesson. En effet, c'est l'objectif même de son travail. Et j'ajouterais même qu'en archéologie préventive, c'est une nécessité. On est de fait en lien avec le monde contemporain, puisqu'on intervient en amont de projets d'aménagement. Donc l'archéologue dans cette archéologie-là est en contact avec un aménageur et va devoir appréhender l'ensemble d'un contexte et non pas seulement, comme vous disiez, sa bulle dans le monde de l'archéologie. Voilà, et l'archéologue, c'est aussi, c'est pas quelqu'un qui fait perdre de l'argent, qui fait perdre du temps,
mais qui engrange pour l'avenir. C'est quelqu'un qui sauvegarde pour la communauté, pour l'ensemble des personnes qui vivent sur un territoire, le patrimoine et les données du patrimoine archéologique. Et nous, notre mission et notre travail au quotidien, c'est que cette action-là, qui est une obligation légale, puisse se développer le mieux possible en accord et en négociation et en partenariat avec les aménageurs. Voilà, oui. Voilà, pour que tout ceci soit inclus dans un processus qui est général quand on fait un aménagement. Voilà, parce que la France est la première destination touristique du monde et donc les archéologues sont partie prenante dans ça. C'est-à-dire exactement. Les archéologues d'aujourd'hui contribuent à améliorer la connaissance qu'on a de notre passé et quand bien même un site archéologique fouillé dans le cadre de ces fouilles préventives n'est pas conservé ou alors c'est un cas exceptionnel, toutes ces données-là, tout le mobilier, tous les objets vont être restitués in fine à l'État et puis vont pouvoir se retrouver dans des musées. Donc c'est une donnée qui est partagée. Voilà, et donc l'objectif de l'INRAP, c'est de montrer aux personnes qui ne connaissent pas forcément que l'archéologie, c'est utile. C'est utile et c'est vivant. C'est une discipline qui s'enrichit et s'enrichit au fil du temps. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qui voudraient s'engager éventuellement dans l'INRAP? Alors c'est un... Je peux témoigner avec mes collègues archéologues, c'est un métier de passion. L'archéologie, c'est un métier qui peut être difficile. Ce sont des chercheurs mais qui sont une bonne partie de l'année sur le terrain, dans n'importe quelle condition climatique. Mais c'est une discipline qui nécessite maintenant de faire des études universitaires. Quel niveau? À peu près licence, master. Master. Il existe aujourd'hui des masters spécialisés en archéologie préventive. On accueille des stagiaires chaque année. Et ici dans la région, par exemple, ici Le plus proche, c'est à Montpellier. Il existe un master spécialisé en archéologie. Donc un jeune Narbonnais qui veut faire de l'archéologie, il faut qu'il aille suivre un master à Montpellier. Le master est spécialisé et on a, pour nous, c'est un partenaire que nous avons, en effet. Parfait. Avec beaucoup de spécialisations de pointe, hein, c'est ça? Il y a des spécialisations de pointe et puis il y a des parcours ensuite d'individus comme tout étudiant, Bien sûr. Des archéologues qui peuvent être généralistes, d'autres qui sont spécialisés par période, ou bien d'autres qui ont des disciplines un peu plus particulières, qui sont les disciplines qui interviennent dans le cadre des études après le recueil des données sur le terrain. Par exemple, des anthropologues, des archéozoologues, des carpologues. Oui, mais attention, il faut expliquer, parce que là, déjà, on est tous perdus, là. Donc, un anthropologue qui étudiera les squelettes humains, un archéozoologue, la faune et les squelettes des animaux, un carpologue qui étudiera les graines, tout un tas de disciplines spécialisées, dans lesquels on a des collègues qui sont archéologues, mais aussi botanistes, vétérinaires, biologistes. Des experts comme pour une enquête policière, quoi. Exactement. Voilà, et qui complètent toutes les données et qui travaillent avec les archéologues de terrain en permanence, puisque la restitution et la sauvegarde de toutes ces données constituent vraiment fondamentalement un travail d'équipe. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Rebonjour, nous sommes toujours sur le plateau TV des Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise et nous recevons Madame Marie-Anne Sorba, réalisatrice, qui nous vient pour un excellent documentaire que j'ai eu l'occasion de visionner, L'énigme du grand menhir, réalisé avec l'ami Serge Cassen, donc directeur de recherche au CNRS, toujours sur ces menhirs qu'on croit connaître, mais qui finalement révèlent toujours des surprises. Oui, c'est à la fois un sujet connu et inconnu, en fait, le mégalithisme. Tout le monde a entendu parler, plus ou moins en France, des menhirs de Carnac, ou de Locmariaquer éventuellement, mais donc on a l'impression de savoir beaucoup de choses dessus, mais en réalité, il y a beaucoup d'idées fausses. Il y a eu beaucoup de théories qui ont circulé depuis que ces monuments sont étudiés depuis la fin du 19e siècle, donc il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été émises. Il y a aussi beaucoup d'hypothèses qui ont été invalidées par les travaux de la recherche récente. On sait par exemple que les hypothèses concernant les étoiles ou leur rapport entre ces menhirs et puis les cartes du ciel ou leur vocation d'observatoire astronomique et bon, aujourd'hui quelque chose qui a été abandonné au profit d'autre chose. Et moi je me suis intéressée particulièrement au travail de Serge Cassen parce qu'il s'intéressait à ce qui pour moi est une première forme d'écriture en fait.
pictographique, probablement imagé, symbolique, mais en même temps, au cinquième millénaire, on est dans un moment de l'évolution humaine où on commence à graver des choses, des signes symboliques dans la pierre pour raconter des récits. Voilà. On n'est plus tellement non plus au temps de la peinture rupestre, on est dans autre chose, on est dans la pierre, on est dans un outil, une matière, un matériau et une technologie que les hommes maîtrisent parfaitement, parce que pour lever un grand menhir de 330 tonnes, il faut quand même une maîtrise de technologique. Hein, c'est pas technique. Les martiens alors? Non, c'est pas les martiens. Je pense que c'est aussi à la force des bras hein, que ça s'est passé. Mais voilà, donc c'est un moment de l'histoire de l'homme où on commence à se projeter dans la matière et ça, ça m'a beaucoup intéressée. C'est un peu pour moi le début de l'écriture. Alors après, on peut s'interroger sur ce que c'est que l'écriture, mais moi je pense que c'en est une. Voilà, que... Vous êtes un peu un Champollion de l'audiovisuel alors hein? Non, j'aurais pas cette prétention parce que le vrai Champollion dans l'histoire, c'est quand même Serge Cassel, et c'est lui qui a le plus de clés, qui apporte le plus de réponses et qui soulève le plus de questions aussi. Parce que les réponses, elles sont là, mais elles sont partielles et on n'en est pas encore à. Probablement que ce système de signes et de pictogrammes était moins élaboré que le langage hiéroglyphique. Mais en attendant, il y a des choses qui apparaissent et des choses qui nous renseignent sur la façon dont la représentation des hommes à cette époque, la façon dont ils représentent leur monde et ce qu'ils jugent intéressant de transmettre en le gravant dans la pierre et le message qu'ils veulent adresser en fait. Alors, nous sommes ici dans le Morbihan, en Bretagne, mais on trouve beaucoup de ces menhirs en Asie, oui. En Amérique latine. Alors oui. Est-ce que vous avez vu des familiarités, des oui. cousinages des... Alors, je crois que partout dans le monde, aux périodes proto-historiques, on dresse des pierres. C'est vraiment le signe commun aux civilisations humaines. Quand on n'a pas d'autres ressources, d'autres matériaux à travailler avant la métallurgie, par exemple, la pierre, c'est le matériau qu'on a le plus facilement à disposition. Et on l'utilise pour marquer le paysage, souvent pour marquer des sépultures, souvent pour marquer des lieux symboliques ou des lieux rituels. Mais effectivement, c'est un phénomène qu'on retrouve sur l'ensemble de la planète, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, chez les Amérindiens, en Chine, en Afrique également. Mais vous n'êtes pas spécialiste de ces choses au départ, vous n'êtes pas de formation de... Alors moi, j'ai été étudiante en archéologie et en histoire à l'université. Donc là, vous avez découvert l'univers des mégalithes, c'est ça? Comment avez-vous transmis ça par l'image? Alors moi, j'ai travaillé sur un autre film il y a à peu près 5 ans de ça, qui s'appelait Les Peuples de l'Anneau et qui parlait déjà d'archéologie et qui parlait déjà du Morbihan et des objets qu'on y trouvait, mais c'était plus un film sur les objets, sur en particulier des anneaux disques. Avec Guirec Quéré. Avec Guirec Quéré. Alors il n'apparaît pas dans le film, mais Guirec Quéré est un interlocuteur important pour les gens qui font de l'archéologie morbihanaise. Une grande exposition nationale sur ces objets. Sur ces objets-là, oui, tout à fait. Voilà. Sur la Calaïs notamment aussi. Voilà. Mais c'était un autre film qui s'intéressait à une autre partie, qui faisait de l'ethno-archéologie. Donc on avait aller aussi en Afrique voir des pierres dressées aussi. Comment avez-vous pu, parce que Serge Cassagne travaille beaucoup sur l'image, il a, avec Hervé Pétier, ils font beaucoup d'images en 3D, tout comme ça, vous les avez intégrées dans votre documentaire. Tout à fait, voilà, exactement. Comment ça s'est passé, le passage justement de l'image vraie à l'image retravaillée? Oui, alors pour ça, en fait, moi j'ai surtout travaillé avec un architecte qui était un des premiers collaborateurs de Serge Cassagne sur la 3D il y a 15 ans déjà. Ils étaient en train de se dire bon, comment on pouvait faire pour recréer ces monuments en 3 dimensions. C'était un petit peu tôt. Ils étaient vraiment visionnaires. Laurent Lescope et Serge Cassagne étaient un peu visionnaires dans cette façon d'aborder l'archéologie. Ils ont mis du temps à pouvoir mettre en place un process de travail, un protocole, etc. Parce qu'autour d'eux, il y avait des institutions qui étaient un petit peu étonnées parce qu'ils proposaient, ils ne comprenaient pas forcément l'intérêt. Et on a choisi plutôt de travailler avec Laurent Lescope qui avait une expertise de la numérisation et de la restitution en 3 dimensions des monuments mégalithiques, donc depuis plus de 15 ans. Et donc il a pu notamment nous aider pour la numérisation et la reconstitution par photogrammétrie en fait, des surfaces aussi, des monuments de Locmariaker en particulier ou du Manélude. Et on a aussi demandé de nous apporter avec l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes le travail qu'il avait déjà réalisé avec Serge Cassagne sur Gavrinès en particulier, où l'ensemble du cairn a été reconstitué avec toutes ces gravures magnifiques, foisonnantes et fascinantes.
pouvez-vous nous rappeler les dimensions de ce grand menhir ? Alors, son poids éventuellement ? Le grand menhir mesure 21 mètres et 330 tonnes. C'est un monument en orthognèse, donc une roche qui vient du pourtour du golfe du Morbihan. Les zones d'extraction en réalité se trouveraient même de l'autre côté de la presqu'île de Ruisse, parce que le golfe du Morbihan donc, est fermé par deux péninsules comme ça. Le Loch Marécaire se trouve de ce côté-là et ici se trouverait la carrière d'origine, d'où a été extrait le grand menhir. Et ce que les archéologues supposent, et ce qui est très étonnant, et ce qui est une question pour laquelle on n'a aucune réponse actuellement, c'est qu'il est très possible que cette roche de 330 tonnes ait traversé le bras de mer de 9 km. Oui, c'est pas Serge Cassin, ça c'est Jean-Léon Gouarche. L'apport de Serge Cassin, c'est plutôt la découverte de gravures jusque-là inédites. Oui, tout à fait. Découverte grâce justement à la photogrammétrie. Exactement. Des gravures qui sont totalement. Parce qu'avant, on pensait que c'était. Enfin, c'est pas exactement des gravures, hein, c'est picté. Mais c'est des choses, on pensait qu'il y avait des grandes figures, et puis on trouve des figures maintenant plus petites, mm-hmm. et on ne s'attendait pas à les trouver là. Mm-hmm. Hein, c'est ça, parce que c'était du granit, c'est ça, Ben, le principal problème, c'est que la plupart des gravures sont très érodées, mm-hmm. surtout pour les monuments en extérieur. Mm-hmm. Gabriel, c'est un peu un cas particulier, parce que c'est un cairn, c'est une île, et avec l'ensemble a été préservé. Le morceau de menhir qui vient d'ailleurs, c'est ça? Oui, voilà, on sait que certaines stèles qui ont été utilisées pour Gavrinier ont été probablement des stèles d'extérieur qui ont été réemployées pour la construction du monument. Mais la plupart, quand même, sont très érodées. Et la photogrammétrie permet justement, avec des éclairages tournants, permet de révéler tous les détails des gravures et donc de montrer des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu parce qu'elles ont disparu, mais qui étaient probablement visibles au néolithique. Et donc on peut restituer déjà la carte d'une stèle gravée dans ses moindres détails et avoir le plus d'informations possible. C'est ça qui est intéressant. L'énigme aussi de les avoir 1000 ans, alors qui, au Moyen-Âge, on disait que c'était des géants qui les avaient posés. Je pense que les hommes de cette époque n'étaient peut-être pas géants, mais peut-être géants par l'ingéniosité. Ils étaient peut-être plutôt assez malins et pour savoir comment transporter ces pierres et comment les façonner par des techniques qui aujourd'hui ne nous apparaissent plus, donc on a oublié. Voilà. Mais non, ce sont bien des hommes qui ont fait ça. Ouais. L'archéologie expérimentale, je crois, s'efforce de comprendre. Aujourd'hui, il y a des expériences, non ? Oui, il y a pas mal d'expériences qui sont en cours. Il y a un domaine sur lequel les chercheurs s'interrogent et qui, à mon avis, est promis un bel avenir, c'est la question des premières navigations sur la côte. Parce que parmi ces récits qui sont laissés dans les stèles du golfe du Morbihan, il y a quand même souvent une question de bateaux. Et ces bateaux-là, en fait, on ne les a jamais retrouvés. On connaît pour cette période des embarcations qui permettent de naviguer surtout sur les fleuves, donc sur des rivières, donc des zones moins tempétueuses que l'océan, puisque sur la côte morbihanaise, on est en prise avec l'océan Atlantique. Hein. Il y a de la marée, il y a des mouvements météorologiques importants. Et on s'interroge sur la façon dont les néolithiques ont pu prendre la mer, en fait, 6000 ans avant Jésus-Christ, avec des vrais bateaux capables de tenir la haute mer. Et c'est l'hypothèse que font les archéologues dans mon film, qui est que, par exemple, il y aurait probablement une voie maritime ouverte entre la pointe bretonne et la Galice, donc la pointe avancée de l'Espagne dans l'océan, une voie maritime directe qui aurait été ouverte par les néolithiques 6000 avant Jésus-Christ. Mais sachant que le niveau marin était plus bas. Le niveau marin était un petit peu plus bas, mais il était déjà en train de monter, donc ils avaient déjà pu aussi observer que l'océan était un univers en mouvement permanent. Probablement, peut-être que c'était plus facile de naviguer à cette époque, je l'ignore, mais au cours de la fabrication, au cours des repérages que j'ai fait pour ce film, j'ai rencontré un marin assez connu qui s'appelle Gérard Daboville, qui habite en Morbihan, et qui était connu pour traverser l'océan à la rame, et je lui ai posé la question, est-ce que c'est possible, avec quel type d'embarcation on peut? Il m'a dit, mais en réalité, la question de l'embarcation, elle est peut-être pas si importante que ça, ce qui compte, c'est de connaître le sens du vent. Tout simplement. Et si on a le vent dans le dos, entre la Bretagne et la Galice, effectivement, il y a des vents qui permettent de faire l'aller et le retour. Et si on connaît bien le sens du vent, alors c'est pas impossible de faire en 2-3 jours la traversée avec un équipement minimum et un bateau pas trop chargé. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et je trouvais que l'hypothèse était plutôt intéressante. Le folklore ou les croyances populaires ont souvent rattaché ces menhirs peuple celte, peuple au pluriel. Oui. Alors, vrai ou faux? Et quelle est la datation, en fait, de ces menhirs? Ça commence quand ?
Le grand menhir a été érigé vers 4500 avant Jésus-Christ. Donc on est bien avant les invasions celtes, enfin le peuplement celte du nord de l'Europe, de l'Europe du Nord-Ouest. Donc oui, non, c'est absolument. Alors, il y a eu cette confusion à un moment donné, qui vient probablement du fait que certains monuments ont été réemployés par les Celtes, réutilisés. Donc, mais c'est un phénomène habituel. Hein, on utilise les pierres laissées par la civilisation précédente pour construire ses propres bâtiments. Ça s'est toujours fait. Voilà. Très bien. Mais je voulais plus que vous nous parliez de votre expérience de réalisatrice, en fait. Oui. Par rapport à ce tournage. Mmh. Vous avez scénarisé comment ? Vous avez... c'était... Alors, la question parce de la scénarisation... Parce que ce qui est difficile, oui. C'est que ce genre de documentaire a été déjà fait des dizaines et des dizaines de fois, mais là, vous apportez un nouvel éclairage. C'est une nouvelle manière de le filmer, finalement, quelque chose qui est une sorte de marronnier, en quelque sorte. Oui. Et c'est ça qui est bien, justement. Il faut savoir comment vous en êtes tiré. Alors, c'est ce que je disais au début de cet entretien, c'est qu'on a l'impression de bien connaître les mégalithes, on a l'impression qu'on a déjà vu 5000 fois. Mais en réalité, quand je me suis intéressée à ce projet, quand j'ai commencé à ce projet, je me suis demandé qu'est-ce qui a déjà été fait. Et je me suis aperçue que le dernier film de référence datait de 1987, mm-hmm. C'était un film qui s'appelle Mythes et mégalithes, hein, de mm-hmm. Ronan Poulès. Que depuis presque 30 ans, il n'y avait rien qui avait été fait vraiment. C'était un sujet qui était tombé un peu en désuétude, que la télévision publique ne s'était plus intéressée, que le public probablement s'y intéressait, mais sans qu'on lui donne les moyens d'accéder aux nouveautés de la recherche. Et moi, j'ai vraiment été percutée par le travail de Serge Cassène, parce que je me suis dit, mais waouh, effectivement, c'est Champollion, quoi. C'est ce qu'il est en train de découvrir, ce qu'il est en train de chercher. C'est une espèce de quête comme ça, de savoir et de pour essayer de percer le secret de ces signes, de ce message laissé par les civilisations disparues. Donc, il me semblait que ça n'avait jamais été fait, puisque cette recherche-là était toute récente. Voilà, elle n'avait qu'une dizaine d'années. Et il y avait des choses nouvelles, des hypothèses vraiment séduisantes, comme l'hypothèse du cachalot, par exemple, qui tenait vraiment la route, quoi. Donc, voilà. Serge Cassène, il renouvelle complètement notre connaissance de l'art mégalithique. Exactement, exactement. Donc, c'était moi, tout simplement, je me suis inspirée de son travail. J'allais dire, j'ai rien inventé. Il y a déjà beaucoup de choses dans la littérature reproduites par Serge Cassène pour nourrir les imaginations, même les plus arides, quoi. Oui, c'est vrai, parce que ça tournait un petit peu en rond, avec la déesse mère. Voilà, on était sur la charrue, alors cet objet, mais c'est vrai que pour la charrue, cet objet qu'on n'a jamais retrouvé dans la réalité, on peut s'interroger pourquoi les archéologues auraient... pourquoi les néolithiques auraient dessiné un objet qui n'existe pas dans la réalité. Voilà, est-ce qu'effectivement, cette histoire de déesse mère, de la charrue, est-ce que c'est pas juste des vues de l'esprit, des archéologues qui ont une idée théorique, qui cherchent à l'appliquer, mais en réalité, ça ne fonctionne pas, donc... voilà, je m'en suis tiré simplement en misant sur le talent de Serge. Un grand talent, effectivement, puis la sagesse de s'entourer de spécialistes aussi, oui. Qui a permis il a su créer autour de lui une sorte de groupe de recherche vraiment soudé, quoi. Vraiment, c'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Parmi lesquels les personnages que j'ai pu interviewer dans le film. Alors évidemment, il y a comme collaborateur fréquent Pierre Pétrequin, qui est un préhistorien très important. Serge Cassène travaille aussi beaucoup avec le musée de préhistoire de Carnac, avec vous avez cité Guy Requéré, qui est un spécialiste de la pierre, hein, de la qualité de la roche, la pétrographie. Il y a d'autres archéologues, mais ce qui est intéressant aussi avec Serge, c'est qu'il est capable aussi d'écouter ce qui revient du terrain et ce qui revient aussi des gens qui ne sont pas des chercheurs professionnels, qui ne sont pas des gens ni du CNRS ni des universités, mais qui sont aussi des prospecteurs qui localement font des relevés, localement détectent des nouveaux monuments, etc. et viennent ensuite... montrer ce qu'ils ont trouvé à Serge, qui peut en son tour s'en inspirer et décider de mener des recherches grâce aux gens qui font remonter du terrain ce qu'ils ont pu observer de façon un peu simple et lambda, quoi. Mais parfois c'est très intéressant. Ce qui est bien, c'est en tout cas on vous sont convertis, vous êtes la première groupie de Serge Cassène, en tout cas vous faites vous transmettez la bonne parole. Écoutez, j'espère que mon film met vraiment en valeur ses recherches, oui. Parce qu'elles méritent d'être vraiment mises en valeur, je pense. En tout cas, que c'est vraiment un travail intéressant et que, voilà, j'ai, comme réalisatrice, je cherche plutôt à faire valoir ce qui, scientifiquement, est intéressant.
Je pense que dans notre pays, on a quand même beaucoup de chercheurs de très haut niveau et que, et peut-être, hélas, l'audiovisuel public, notamment, dont c'est pourtant la mission, manque parfois à sa mission qui est de valoriser la recherche française et de faire apparaître ce qui se fait de bon dans nos universités. Voilà, donc moi, je viens là, pas pour prêcher vraiment la bonne parole, mais pour vraiment valoriser ce qui se fait de bien. Oui, j'espère pouvoir y participer, c'est important. Moi, je suis nantais comme Serge Cassène, et c'est vrai que c'est difficile de sortir de l'Ouest. C'est vrai. Faire connaître l'Ouest, surtout dans le Sud. Oui, peut-être, Il y a des brumes, il y a de la pluie. Il y a autre chose que de la brume et de la pluie dans l'Ouest. Oh oui, il y a autre chose. Autre chose que des vieux druides. Autre chose que des vieux druides, ou des villages gaulois qui existent, je ne sais pas. Les rencontres d'archéologie de la Narbonnaise vous permettent aussi ce partage d'expérience en tant que réalisatrice, avec d'autres réalisateurs, avec d'autres, des archéologues, bien sûr, des scientifiques. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est des moments intéressants parce que les festivals ou les rencontres de ce type permettent d'ouvrir un peu ses perspectives professionnelles, de découvrir d'autres milieux, d'autres régions. J'étais jamais venue à Narbonne, par exemple, et je trouve l'histoire de cette ville vraiment passionnante. Hier soir, j'ai pu faire la connaissance de Jean Guilaine. Bon, évidemment, j'avais beaucoup entendu parler, mais je ne connaissais pas personnellement. Donc, c'était un échange aussi très intéressant, très riche. Le fait de pouvoir se déplacer et faire connaître son propre travail et s'enrichir du travail, savoir ce que font les autres aussi dans ce milieu-là, pour moi, c'est très important. Je pense qu'il faut continuer à faire ça. Il faut que ce type d'événement ait lieu annuellement de façon renforcée. Vous faites un travail vraiment formidable et il faut continuer. Il y a beaucoup de dolmens en Languedoc aussi. Il y en a partout. Moi, je viens du Var et dans le Var, dans tout le sud-est, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, c'est un pays aussi, il y a eu beaucoup de mégalithisme. C'est un pays, c'est une zone où l'influence des cultures méditerranéennes est remontée vers le nord-ouest de l'Europe, où il y a des mélanges entre les Méditerranéens et les gens du Nord. Oui, c'est évidemment, ce sont les dolmens, il y en a partout en fait. Oui, voilà. Et on en construit encore de nos jours. On en construit, ah bon ? Des menhirs. Ah oui, on construit encore de nos jours, bien sûr. Oui. Ah bon, j'ignorais, où ça ? En Afrique. En Afrique, on fait des pierres dressées encore aujourd'hui. Mmh. Ouais. Ah oui, et en Indonésie aussi, c'est vrai. J'ai vu récemment une vidéo qui justement avait cet intérêt de montrer comment on montait un menhir en fait. C'était plus une espèce de fête villageoise en Indonésie où tout le monde était rassemblé pour hisser la pierre avec des cordes. Oui, c'est vrai. Et voilà, et ça permet aussi de se rendre compte que c'était peut-être pas si difficile que ça. On est toujours, souvent on se dit mais comment ont-ils fait ? Mais techniquement c'est peut-être pas si difficile en vrai. Il suffit d'avoir des paires de bras bien taillés, quoi. Voilà, c'est ça. Puis les premiers menhirs étaient en bois, donc c'était plus facile aussi. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Rebonjour, nous sommes toujours sur le plateau TV des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Nous avons avec nous Madame Véronique Canu, archéologue à l'INRAP et spécialiste dans la médiation. Oui, depuis 3 ou 4 ans, j'interviens en milieu scolaire pour expliquer le travail des archéologues et les différents métiers de l'archéologie. Et en milieu scolaire, c'est-à-dire à quel niveau ? À peu près tous les niveaux, tous les cycles ? Oui, tous les niveaux. On a un outil pédagogique qui est un bac de fouilles. Qui est en fait une maquette d'une domus antique et qui permet de tester grandeur nature une fouille dans le sable, ramasser des objets archéologiques et ensuite avoir des explications sur ces différents types d'objets. Donc ça c'est un atelier que je peux amener dans une classe de maternelle jusque j'irai au collège. C'est quelle dimension à peu près ? Ça fait 1m60 sur 1m60. Et donc c'est gratuit, le collège peut vous demander de venir ? Tout à fait, il faut payer, oui, non, ça fait partie des missions de l'archéologie. Donc je suis instituteur, je peux téléphoner à l'INRAP et puis vous venez ? Dans la mesure du possible, oui. D'accord, c'est bien ça. C'est vrai qu'on est très demandé, que effectivement c'est un service public, donc on intervient gratuitement. J'imagine que vous leur expliquez que ce n'est pas des fouilles sauvages, à la manière d'un chien qui gratte dans son terrier. Non, c'est ça, voilà, on utilise les outils de l'archéologue, de la truelle, le ramasse-poussière. Le carroyage, tout ça. Alors on ne va pas jusque-là, on peut effectivement développer, selon les classes, le module en fait. Si on a affaire à des maternelles, évidemment on va travailler autrement. Et selon les classes, le scénario évolue. Voilà, donc c'est une animation qui dure une heure et qui permet d'aborder un petit peu le travail de l'archéologue, du céramologue, l'archéozoologue, enfin un petit peu, voilà. Les maternelles ne font pas des châteaux de sable.
Non, c'est un bac de fouilles, c'est pas un bac à sable. Est-ce que les élèves acceptent de rendre les objets qu'ils ont trouvés? Oui, ils acceptent même de remettre les objets pour la classe suivante. Voilà, ça fait partie du jeu, de recacher les objets. Ah, ils recachent, c'est eux qui recachent eux-mêmes après. Oui, c'est sympa, ça fait partie du jeu, ça leur plaît. Voilà, c'est un petit peu le mystère de découvrir et ensuite de faire découvrir aux autres, quoi. Et vous avez développé une dialectique, un petit peu, une rhétorique particulière. Vous savez comment leur parler en fonction des tranches d'âge. Alors, c'est ça, c'est un petit peu le travail du médiateur que j'apprends sur le terrain petit à petit. C'est d'adapter effectivement son discours aux différentes classes. Donc c'est vrai qu'une classe, c'est intéressant parce que c'est cohérent. On a affaire à des enfants qui ont tous le même âge et qui sont tous à peu près au même niveau. Après, on peut aussi intervenir, comme ici, mercredi, dans des rencontres d'archéologie, des festivals ou des manifestations autour de l'archéologie, les journées nationales de l'archéologie, les journées du patrimoine, où là, autour du bac, il va y avoir des enfants d'âges différents. Donc là aussi, il faut adapter un petit peu son discours. L'enjeu, c'est de faire changer le regard des parents aussi. Parce que ça, c'est les parents ont parfois une image négative de l'archéologie. C'est ça. Et puis, comme on a un discours qui est simple, qui est précis quand même, mais qui est simple, c'est aussi très abordable pour les parents. Écouter un discours pour les enfants, ça intéresse aussi les adultes. Parce que c'est plus parlant, quoi. Il y a des questions qui viennent plus naturellement par les enfants. Donc souvent les parents sont contents après parce qu'ils ont appris des choses aussi. Donc voilà, c'est aussi effectivement, ça sensibilise autant les enfants que les adultes. Par là même, vous sensibilisez encore plus les enseignants aussi. Alors là, c'est vrai que les enseignants sont en demande, qu'ils ont souvent du mal à trouver de la documentation. Donc là aussi, on les renvoie sur le site inrap.fr où on a des petits documents, des films d'animation qui sont très abordables pour les classes. D'ailleurs, là, ce matin, tip top. Et ce matin, on vient de recevoir 3 classes de Narbonne autour de petits films d'animation qui durent 2 minutes et qui présentent donc l'archéologue, le sarabologue, le géomorphologue. Qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs des rencontres, on voit des extraits de ce petit film. Voilà. Avant votre intervention, vos interventions dans les écoles, on imagine forcément que les enseignants préparent votre venue. Oui. C'est en fait, au bout d'un moment, c'est un petit peu toujours les mêmes écoles qui nous rappellent. Hein. Donc c'est vrai qu'on vient avec des documents et qu'on peut aussi préparer un petit peu avec l'instituteur avant, pour qu'il ait préparé les enfants, que notre discours soit pas non plus trop compliqué, qu'ils aient déjà abordé certaines notions. Après, on laisse un petit livret tip-top qui est vraiment en destination des enfants et qui, à travers des petits jeux, des coloriages, aborde un certain nombre de mots du vocabulaire des archéologues. Et voilà, c'est de façon... Quelles sont les questions qui peuvent parfois surprendre l'archéologue que vous êtes quand elle sort de la bouche des enfants? Il y a plusieurs... Enfin, c'est là que c'est compliqué et qu'on apprend justement le métier. C'est qu'il y a des réactions d'enfants, effectivement, qui nous poussent à trouver des réponses simples à des choses qui sont compliquées, notamment quand on parle de géomorphologie, qu'on explique que les couches de terre se succèdent et que le travail du géomorphologue, c'est d'étudier le paysage, l'histoire du paysage. J'ai eu plusieurs fois dans des classes différentes la même question. Ça veut dire que la terre était plus petite autrefois et qu'aujourd'hui elle est plus épaisse, quoi, elle est plus grande. Donc il faut expliquer que s'il y a plus de terre à un endroit, c'est qu'il y a eu de l'érosion. Les rivières ont transporté des sédiments. C'est des notions qui ne sont pas tellement faciles à expliquer aux enfants. Mais aux du coup, on apprend. Non plus, c'est ça, tout à fait. Voilà. Puis, alors après, il y a le bac de fouilles, mais on a aussi développé depuis 2 ans des programmes qui sont un peu plus complets dans les collèges. Notamment, j'ai travaillé sur Castelnaudary, au Largue et ici à Narbonne. Avec des professeurs qui vont développer un thème et on va essayer de se coller à ce thème. Donc on va venir une fois par trimestre et là j'amène des collègues spécialistes. Je les aide à préparer leur intervention parce que c'est pas toujours évident pour un scientifique d'adapter son discours aux classes.
Et donc on adhère à des projets. Donc il y avait un projet. Vous couvrez quoi, toute la région ou juste là, département? Là on est plutôt sur l'Aude. Et vous avez des collègues dans les autres départements? Tous les départements ont enfin, un service médiation de non, l'INRA? Non. C'est selon quoi. En fait, n'importe quel archéologue de l'INRAP, s'il a envie d'intervenir dans une classe, peut obtenir du temps pour le faire. Après, comme je disais, c'est pas toujours facile d'adapter son discours. Il faut avoir une sensibilité aux enfants. Parce que vous avez développé un savoir-faire qui peut être demandé. À Marseille, on peut vous demander, par exemple. Tout à fait, oui. Oui, après, moi, je peux avoir des appels de collègues qui me disent, voilà, je vais intervenir dans une classe de CM1, comment je peux aborder les choses. Après, j'ai préparé des PowerPoint, donc voilà, j'ai aussi des documents maintenant à leur transmettre. Quoi. C'est l'idée, quand même, essentiellement, de mettre la main à la pâte. Oui. Ils doivent toucher l'aspect tactile. C'est ça aussi, oui. C'est pour ça qu'on a développé des outils pédagogiques. Donc, le bac de fouille, c'en est un. C'est vrai que pour les enfants, on apprend mieux en faisant les choses. Alors après, on peut aussi, ça m'est arrivé aussi d'essayer de monter des visites sur site lors des journées portes ouvertes au public, de monter des visites plutôt à destination des enfants. Voilà, comme ça, on aborde plus facilement certaines choses que dans une visite d'adultes où ils sont vite perdus. Est-ce que vous pourriez justement, avant de terminer, nous parler du gros projet là, qui est à l'œuvre là, j'ai toujours oublié le nom du collège. Le collège Victor Hugo. Victor Hugo à Narbonne, où là c'est vraiment important, il s'agit de fouiller les restes du Capitole. Voilà, c'est ça. Et avec les enfants. Tout vous à pourriez fait. Nous expliquer ça un Tout petit peu. Tout à fait. Ben, en fait, le collège Victor Hugo, on travaille avec eux depuis 3 ans maintenant, dans le cadre de l'option archéologie, qui était menée par une professeure d'histoire, Eve Curbilly. En quelle classe? En 6e et 5e. Donc 2e et 3e cycle, c'est ça? Ou 1er et 2e cycle? Ça, c'est une bonne question. Mais, enfin, bon, c'est par rapport au... Parce qu'il y a le CM2, 6e et 5e, 4e. Oui, c'est ça. Bon, là, c'est vraiment dans le collège. Mm-hmm. Elle avait créé cette option qui était en fait 2 heures de cours par semaine autour de l'archéologie. Et elle faisait intervenir donc l'INRAP, mais également le CNRS. Voilà, il y avait plusieurs, elle s'est entourée d'une équipe. Et avec la réforme des collèges, cette option disparaît. Donc du coup, on a réfléchi à comment continuer l'aventure au collège. Et en se concertant, les différents partenaires, on a imaginé ce projet d'une résidence d'archéologues. Puisque le collège a été construit au 19e sur les vestiges du Capitole antique, on s'est dit y a matière sous la cour de l'école, il y a matière à travailler. Et là, le Capitole, c'est vraiment le grand temple. Voilà. Pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est le grand temple. C'est le temple principal de la ville qui donne sur le forum. Où il y avait donc la triade capitoline, c'est-à-dire les principaux dieux. Alors là, vous avez une piège. Jupiter, Junon et Minerve, c'est ça. Et d'ailleurs, on va. Partir d'Auguste. Oui, d'ailleurs, on. Donc, on va travailler dans une cour. Il y a plusieurs étapes dans ce projet. Première étape, formation en classe des élèves. Donc là, on s'adresse aux sixièmes, à tous les sixièmes. Ça représente 200 enfants. Et on a monté un projet pédagogique avec le CNRS, avec le futur Murena. Et on va intervenir donc une petite dizaine de fois, tous en classe, pour parler du Capitole, de comment on monte une fouille archéologique, comment on fait la préparation. C'est-à-dire concrètement, ils sont dans la classe, ils vont descendre à la cave pour fouiller Non, ils ne vont pas descendre à la cave. Au mois d'avril, on ouvrira un grand sondage de 70 mètres carrés dans une cour qui n'est pas accessible aux enfants, donc qui ne pose pas de problème en fait pour la vie du collège. Et ils pourront fouiller eux-mêmes. Voilà, ils vont descendre par groupe de 15 pour une matinée. Et ils passeront donc, toutes les classes passeront par groupe de 15. Et on sera donc 2 archéologues présents sur le site pour les initier. C'est génial ça va développer des vocations peut-être. C'est ça. Et à la fin, on espère pouvoir monter une petite exposition, même si on est sur un redégagement de vestiges, puisque ça a été fouillé au 19e,
On pense qu'on aura quand même un peu de stratigraphie et donc on va pouvoir aborder aussi le travail précis de la, l'étude de la stratigraphie. Espérons qu'ils trouveront de beaux objets. Ben oui. Vous allez en cacher peut-être apparemment. On a déjà fait deux petits sondages de reconnaissance pour être sûr que les tranchées, enfin que les vestiges n'étaient pas trop profonds parce qu'on emmène des enfants quand même, donc il faut une sécurité sur le terrain. Donc on a fait deux petits sondages et les vestiges sont à 35 cm de profondeur. Voilà. Et dans l'un des sondages, on a sorti un morceau de marbre. Donc les prédécesseurs nous ont laissé des choses. Alors il faut préciser, parce que le nom peut induire en erreur, vous dites résidence des archéologues, vous n'allez pas héberger des archéologues. Non, le collège reçoit des archéologues, INRAP, CNRS, mais ne les loge pas. Mais ne les loge pas, voilà. On sera nourri le midi, mais quand même. Voilà. Vous mangerez la même chose que les élèves. Voilà, on ira dans la cantine avec les élèves. Ouais. Ben, bon courage. Ben oui. Non, c'est très motivant comme projet. Oui, c'est une concrétisation de. Voilà. Espérons que ça donnera des idées à d'autres villes. Oui. Je crois qu'à Nîmes, je crois que c'est le collège ou le lycée Alphonse Daudet est bâti sur des restes aussi antiques. Mmh. Ça, quel horizon dans cette. Ben, ça démarre là, la formation démarre d'ici dans le mois d'octobre là, en classe, et la fouille c'est après les vacances de Pâques, en 2017. Oui, donc il fera quand même beau. Ben, on espère, oui. Voilà. Ouais. Ah, mais félicitations, c'est un excellent projet. J'espère qu'il y aura un petit film qui sera tourné, qui sera présenté à la cinquième édition des Rencontres d'archéologie. Tout à fait, oui. Alors, on est impatients de voir ça. Vont découvrir peut-être un œuf à Pâques, un œuf d'autruche, comme on a découvert. Bien, on a découvert une coquille à un arbre, je crois, dans les fouilles, un œuf d'autruche. Ouais, peut-être des beaux tessons de mosaïque, ça serait pas mal, ça aussi. C'est excellent. Merci beaucoup. De rien. Merci. Bonjour, nous sommes toujours sur le plateau TV des Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Nous avons le plaisir de recevoir Bettina Cellier. De la ville de Nîmes. Oui, bonjour. Donc vous êtes chargée du patrimoine, c'est ça? Oui, ou plus particulièrement de la valorisation et diffusion du patrimoine. Je travaille à la direction des affaires culturelles. Mm-hmm. Et donc, bon, mon service, on ne s'occupe pas, ce qu'on pourrait penser quand on entend valorisation, on pense de suite restauration. Donc nous n'intervenons pas dans ce domaine-là. Moi, j'ai des collègues qui font ça, qui travaillent justement au service technique de la ville de Nîmes. Mais nous menons surtout des actions de sensibilisation et de médiation autour du patrimoine et notre mission... Qui va des vols carrés comiques jusqu'au 19e. Non, jusqu'à l'architecture contemporaine. Voilà, jusqu'au carré d'art. Jusqu'au carré d'art. Qui a changé de nom d'ailleurs. Oui, qui s'appelle maintenant carré d'art Jean Bousquet, en hommage effectivement au maire effectivement, qui était à l'initiative de ce projet. C'est quelque part, c'est vertigineux parce que la notion de patrimoine, sa définition, qu'est-ce que le patrimoine et que faut-il sauvegarder, c'est donc, vous savez, on a une échelle de temps là énorme. Oui, bien sûr, et surtout, bon, bien sûr, la ville de Nîmes, mais bon, Narbonne aussi, je pense, est extrêmement riche et on arrive finalement justement, à couvrir quand même toutes les périodes. Parce que bon, voilà, il y a quand même aussi des vestiges, par exemple quand on pense au menhir de Courbesac qui est à côté de Nîmes, bon, il y a aussi, et maintenant aussi dans la plaine autour de Nîmes, souvent effectivement, des découvertes archéologiques qui ont été faites et qui vont au-delà de la période, effectivement encore plus loin que la période antique, donc la préhistoire. Donc c'est vraiment un territoire extrêmement riche, donc où on peut en passer justement de la préhistoire. À l'architecture contemporaine qui est quand même très 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 important c'est vrai que pour Nîmes. La beauté de Nîmes, c'est qu'on se promène, on voit un marbre antique, puis après une sculpture de Marcel Reiss. Et vous avez ce duo absolument, je pense, fantastique, qui est devenu un petit peu presque l'image de Nîmes, ce face-à-face qu'on a entre la maison carrée et carré d'art. On n'aurait pas cru certainement il y a plus de 20 ans, mais aujourd'hui, c'est quand on pense à Nîmes, c'est vraiment souvent l'image qui s'impose. Il y a d'autres architectes qui sont intervenus, par exemple, dans un domaine complètement différent. Jean Nouvel qui a construit l'immeuble, justement, Nimosus. Maintenant, bien sûr, aussi, le projet, justement, en cours face à l'amphithéâtre, la construction du futur musée de la Romanité. Qui va ouvrir quand, alors? Normalement,
en 2018. Et là, donc, tout semble très, très... Enfin, tout est très bien engagé. Vraiment, les grosses œuvres avancent très, très, très bien. Et donc, si ça continue toujours sur cette lancée-là, donc le musée pourrait être ouvert certainement, effectivement, bon, à l'automne 2018. Mais je pense que bon, vous allez aussi recevoir donc, encore, effectivement, bon, des personnes de Nîmes, notamment Dominique Darde, qui pourra vous en parler vraiment beaucoup plus dans le détail de ce projet qu'elle porte, parce qu'elle est le conservateur du musée archéologique. Donc, raison de plus pour préparer les esprits, de les sensibiliser, pour mieux accueillir, disons, l'équipement culturel quand il sera réalisé. Oui, bien sûr. Donc, alors, bon, tout, il y a déjà un travail qui est en cours. Par exemple, Nîmois, enfin, on peut régulièrement, il y a des visites du chantier qui sont organisées à intervalles réguliers. Parce que bon, quand il y a un chantier comme ça, bien sûr, on a envie de savoir ce qui se passe, surtout que les techniques de construction intéressent quand même beaucoup le grand public, même si parfois ça peut devenir, on peut se lancer effectivement bon, dans des explications parfois sur les bétons, sur les portées, tout ça, justement, qui peuvent devenir assez techniques. Mais c'est assez surprenant, souvent le public est demandeur de ce type d'informations. Bien sûr, on croit toujours la vulgarisation, c'est aussi apporter aux gens tout un vocabulaire. Les gens sont demandeurs de ça, forcément. Bien sûr, tout à fait. C'est aussi quelque chose que nous avons pu, par exemple, bon, constater quand, sur du grand chantier de restauration, comme par exemple bon, celui de la Maison Carrée, qui s'est terminé il y a bon, maintenant quelques années, mais qui a pris quand même bon, 4 ans. Où nous avons pu parce que, voilà, visiter, organiser régulièrement effectivement, bon, des visites du chantier qui ont été animées et par les restaurateurs, par le sculpteur justement, bon, qui était en train de travailler. Et ça a été toujours très, très, très intéressant d'observer vraiment comment le public est vraiment intéressé par comprendre comment on intervient, pourquoi on intervient comme tout ça. Et vraiment, la complexité des choses ne fait pas peur. Hein. C'est vrai. Et on dit que Nîmes est comme Rome, construite sur 7 collines. Hein. Oui. Et c'est vrai que comme Rome, chaque fois qu'on fait des travaux, on trouve quelque chose. Il y a les murailles de Nîmes, là, des nouveaux pans de des murailles de Nîmes ont été découverts, c'est ça ou... C'est-à-dire que bon, Nîmes a la chance, justement, dans un secteur de la ville, parce que bon, on sait que le rempart, justement, l'enceinte augustienne de la ville, bon, englobait une ville bon, vraiment quand même d'une taille assez importante. Qui en faisait effectivement un des remparts bon, le plus important effectivement de la région antique. Et il est bon, très, très, très bien conservé effectivement dans certains secteurs de la ville. On n'a plus peut-être tous les parlements, mais il est vraiment sur une hauteur assez vraiment impressionnante, ce qui donne vraiment on se souvient vraiment la notion de ce que c'est un mur, parce que très souvent, en plus, parce que ça, c'est les archéologues, ils nous disent toujours, oui, alors là, il y a un mur. Et ce qu'on voit, c'est, bon, parfois, on a les fondations, c'est vrai, et parfois aussi, c'est un mur épierré. Donc, bon, c'est quand même assez difficile quand on n'est pas peut-être bon, archéologue, quand on n'est pas architecte, bon, d'imaginer quelque chose. Et donc là, justement, en effet, il y a quelques justement, des mètres justement, bon, qui sont conservés sur une hauteur de plusieurs mètres. Les Romains avaient vu sans doute un très grand, je crois que la ville n'était pas pleine comme un œuf. Apparemment, Jean-Claude Golvin disait hier, je crois qu'il y avait encore de la place pour la ville, pour se développer à l'intérieur des remparts qui étaient assez loin. Enfin, au nord, je crois, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, parce que bon, quand on regarde justement bon, la ville, en plus pour aussi son relief, hein, bon, ce rempart qui faisait entre 6 et 7 km justement bon, de longueur, hein, donc englobé donc, un territoire assez important, dont je pense qu'il y avait peut-être bon, 2/3, hein, grand maximum, qui étaient urbanisés. Et urbanisés uniquement justement bon, dans la plaine. Ah, voilà. Et après, justement, tout ce qui est un petit peu plus sur la hauteur après de Nîmes, donc bon, là, c'était certainement pas du tout urbanisé. Est-ce que c'était
en prévision peut-être des futures extensions ou est-ce que aussi parce que bon, on prévoyait vraiment les grand, espaces, donc ça c'est peut-être c'est très difficile à dire. Oh. Mais vraiment la partie urbanisée, bon, elle se développe vraiment dans la plaine. Donc si vous connaissez un petit peu Nîmes, bon, c'est bon, vous prenez la source dans le jardin de la Fontaine. Vers le sud, ce qui est aujourd'hui justement bon, le Jean Jaurès. Et après, bien sûr, aussi, il y a toute une extension justement, bon, qui s'est faite de la ville à l'époque augustuienne autour du secteur Maison Carrée, Porte-Auguste. Et avant, bien sûr, il y avait déjà une agglomération justement gauloise qui était pareil, justement, installée autour de la source et aussi dans la plaine. Oui, puisque la Tourmagne, c'est une ancienne tour gauloise, c'est ça? C'est un sujet délicat pour les Nîmois. C'est un sujet délicat. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment une tour gauloise. Mais c'est vrai que si vous arrivez et vous regardez la tour que vous avez aujourd'hui en face de vous, oui, ce qu'on voit est construit par les Romains. Bon, c'est construit sur une tour gauloise, donc qui restait à l'intérieur, qui a, si on veut, un petit peu justement bon, constitué les fondations hein, de la tour actuelle. Aujourd'hui, donc à l'intérieur, enfin à l'origine, c'était une tour pleine comme un œuf, si on veut, hein, surtout sur une petite partie et seulement justement sur des étages supérieurs. Après, justement, bon, il y avait peut-être bon, un intérieur aménagé avec un escalier pour monter en haut d'une terrasse. Elle a été cette construction en pierre sèche gauloise a été pillée, détruite, enlevée. Par un chercheur de trésors. Par un chercheur de trésors du 7e siècle, François Troca, justement, bon, qu'on connaît surtout parce qu'il a élevé justement partout dans la région là, des murs, enfin des mûriers pour élever des murs à soie. Et bien sûr, il y a toujours des histoires des trésors. Il y a aussi une histoire des trésors, pour, par exemple, qui existe sur la Maison Carrée. Donc, ils cherchaient ces trésors. Et bon, c'était certainement quelque chose auquel tout le monde croyait très, très, très fort. Parce qu'il avait même, parce qu'il a eu l'autorisation quand même des édiles de l'époque pour faire cette fouille, si vous voulez, bon, entre guillemets. Ouais, et on lui a, enfin, bon, les consuls de l'époque ont demandé quand même bon, d'avoir une part sur le futur trésor qu'il allait trouver. Donc, bon. Il n'a pas trouvé, il a vidé la tour et de ce fait, aujourd'hui, bien sûr, on peut pénétrer à l'intérieur. Et, on l'a arrêté juste à temps, je crois. Hein, oui, parce que peut-être sinon, peut-être elle s'est écroulée, cette tour. Voilà, donc pour ça, c'est... Bon, après, il y a d'autres monuments, hein, donc à Nîmes, et si vous voulez, parce que bon, sur lesquels, justement, bon, on a quand même mené aussi des... Enfin, bon, justement, des projets de... et de, enfin, bon, de diffusion, si vous voulez, de connaissances, parce que c'est quand même aussi bon, une des missions premières de nos services. Parce que nous avons donc travaillé avec d'autres services culturels de la ville, la bibliothèque, les musées, sur la réalisation de web documentaires. Donc il y en a un qui existe sur la Maison Carrée. Alors ce web documentaire, on peut le visionner où? Vous avez une adresse à nous donner? Alors, je pense que c'est bon. Il faut tout simplement, le plus simple, c'est d'aller justement, bon, soit vous tapez Maison Carrée, et bon, ça vous propose justement, ça va arriver, ou sinon on peut aller sur le site donc, alors, de la ville de Nîmes, donc c'est nîmes.fr, hein, et quand on va dans la rubrique culture... Pour ceux qui culture, nous écoutent, nîmes.fr, mais sans accent. Oui, sans accent, oui. Mais sans chapeau. Pour une fois. Mais vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Sinon, non. En même temps, votre présence ici aux rencontres d'archéologie de la Narbonnaise peut illustrer le fait que la sensibilisation au patrimoine ne peut pas être confinée à une seule ville, Narbonne ou Nîmes, mais toutes ces villes étaient en relation, en réseau. Bien sûr. Donc, voilà, aujourd'hui, bon, moi, là, je suis venue parce que bon, nous avons justement réalisé aussi bon, un film avec Jean-Claude Golvin, justement bon, sur Nîmes, qui propose, parce qu'on bon, parlait tout à l'heure de l'archéologie et de la difficulté souvent qu'il y a pour le public d'imaginer à partir justement bon, des résultats archéologiques. Ils sont très, très, très importants, ils sont très importants à Nîmes, mais après, justement, comment rendre disponible toute cette connaissance vraiment
au plus grand public possible. Et donc, surtout, c'est... Hop, là, il y a une petite mouche. C'est vrai que bon, les résultats sont un petit peu parsemés partout dans la ville. Et donc là, on a essayé justement de proposer une restitution de la ville antique à un moment donné, au IIe siècle après Jésus-Christ, quand tous les monuments qu'on connaît sont construits. Encore aujourd'hui en élévation, parce que bon, quand on voit comme ça un petit peu, il y a le sanctuaire du jardin de la Fontaine, le temple de Diane, la tour Magne, il y a la porte Auguste. Le temple de Diane qui était une bibliothèque peut-être, c'est ça? Qui était peut-être une bibliothèque, il y a différentes hypothèses. Le temple de Diane, c'est un nom qui est... C'est un très très joli nom. Mais qui ne recouvre aucune réalité, non, c'est ça? Non, malheureusement pas, parce qu'on aurait bien imaginé justement un temple dédié à Diane, mais bon, peut-être ça a été une bibliothèque. Donc voilà, on a le temple de Diane, la tour Magne, la porte Auguste, la maison carrée, l'amphithéâtre, sur lequel d'ailleurs on a réalisé également donc un web documentaire qui est en ligne depuis avril de cette année et qui permet vraiment, je pense, finalement, de savoir beaucoup de choses sur à travers l'amphithéâtre de Nîmes, sur les amphithéâtres, en général, parce qu'il y a une grande partie justement, sur la partie construire, comment on construit un amphithéâtre, comment c'est conçu, à quoi ça servait. Et ensuite, bien sûr, il y a une autre partie sur, après la partie restaurée, les restaurations du passé, comment ce type de monument a survécu, les restaurations du passé et les restaurations qu'on fait aujourd'hui, qui sont bien sûr aussi très 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 techniques. Et voilà, donc c'est aussi peut-être quelque chose qui offre à ce moment-là effectivement une entrée pour tout le monde, à n'importe quel moment, parce que comme c'est sur le web... C'est vrai qu'à Nîmes, il y a les grands festivals l'été aussi, les reconstitutions, donc c'est vrai bien que... Bien sûr, parce que d'ailleurs, nous, c'est les grandes restitutions dont vous parlez, je pense, c'est les grands jeux romains qui se déroulent... Pas vraiment en été, c'est plutôt... C'est en partenariat avec la société Culture Espace, qui en fait a une délégation de services publics pour les monuments romains, pour l'accueil, l'animation des monuments romains, et qui organise donc en partenariat avec la ville de Nîmes chaque année le grand jeu romain, fin avril, c'est plutôt, donc c'est pas vraiment l'été. Oui, pardon. Quand on pense l'été, on pense peut-être juin, juillet, août. Donc, trop chaud. Il fait vraiment trop chaud. Et c'est vrai, et nous, nous sommes aussi avec les musées archéologiques, par exemple. Cette année, on était aussi ensemble au Jardin de la Fontaine, où on propose aussi donc, des animations pour le grand public. Et par exemple, y a, à ce moment-là aussi, on accueille le bac de fouilles de l'INRA, il était question précédemment. Donc il y a plein d'animations autour, la connaissance, l'archéologie, les Romains, mais aussi des ateliers jeunes publics, des visites, des spectacles aussi, qui nous proposent souvent une relecture de l'Antiquité, parce que c'est très important aussi, finalement, parfois de manière décalée aussi un petit peu. Voilà, donc il y a tout ça, bien sûr, ça participe à cette mission de diffusion, donc d'avoir, on a des publications, on a des actions éducatives avec les écoles, on organise différentes manifestations comme donc les grands jeux romains, les journées du patrimoine, rendez-vous au jardin. Tout ça visible sur le site de la ville de Nîmes. Ah oui, bien sûr, tout ça visible sur le site de la ville de Nîmes. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.